Salut les sportifs, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve sur une séance. Abdos, fessiers, cuisse. T'allais dire quoi? T'allais pas partir là-dessus. J'allais partir sur cuisse, abdos, fessiers. Ah ben non, abdos, fessiers. Tu penses juste avant à t'abonner, à mettre un pouce. Oh, comment ça va être bon, tu me dis maintenant. Ouais. Nous partirons aujourd'hui sur une séance où tu vas travailler pendant 18 minutes intense. Il y aura 3 minutes de travail, il y aura 3 groupes musculaires, les jambes, les fessiers et les abdos, et nous ferons 2 tours. Mais avant ça, avec Anna, on t'échauffe et on y va. C'est parti? Let's go! Ok, un petit réveil articulaire. Tranquillement au début, on enroule ses épaules vers l'arrière. On inspire. Encore. Ok, on envoie les bras. Hop! Oh, j'ai des courbatures. On souffle bien. Là, regarde, tout le long de l'exercice, tu as les genoux fléchis dans l'autre sens. Fléchis toujours tes genoux pour une meilleure position au niveau du lombaire. Ok, le dernier, squat doucement, descend. 1, 2, 3, 4, et remonte. On. Encore. 1, 2, 3, 4, on échauffe doucement. Ok, sur deux temps, descend, et tu remonte encore, hop, tu n'oublies pas, on est dans l'échauffement. Donc le pourcentage jusqu'en bas. Tout est bien échauffé, non? Ouais. Encore. 1, 2. Est-ce qu'on va manger des squats aujourd'hui? Oui, il y aura des squats et des sourires à sa petite soeur, la Fanta. Ah ouais. C'est la petite soeur du squat. Single, un temps. Hop, pas trop bas. N'oublie pas. Échauffement. Encore. Ouvre légèrement tes genoux. J'ai les pieds plus larges que le bassin. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Ok, on échauffe la taille tout doucement. À droite, à gauche. Doucement. Pense à bien basculer ton bassin. Hop. Tu plies ici. Bon, mais Anna, c'est dégueulasse. Ok, accélère un peu. Et hop. Allez, encore. Souffle bien. Ne bloque pas ta respiration. Hein. Dernier 8. Les rotations ici, droite et gauche. Alors, c'est quoi l'image que je donne d'habitude? Vas-y, donne-la. On va voir si tu... T'imagines que t'as quelqu'un de tellement en face et tu mets un coup de coude. Alors, c'est pas du tout ça. Je vais me dire. L'image, c'est l'image de la bouteille. Ça, c'est le bas. C'est ta bouteille. Elle est posée sur la table. Le bouchon, c'est le dessus. Tu dévisses et tu visses. Donc, la partie du bas ne bouge pas. C'est là où ta taille va travailler. Tu presses le citron. Ok, accélère. Et. Beau citron. Allez, encore. Qu'est-ce qu'on attend à respirer? Ok, doucement, tu relâches. Montre les deux bras. Tire vers le haut. Tu penches d'un côté. Tu penches de l'autre. Attention, mesdames et messieurs. Dans un instant, ça va commencer. Allez. C'est à toi? On commence avec moi, 3 minutes de travail, on y va, c'est parti. Ok, on y va, c'est parti. Premier travail, les 3 premières minutes sur les jambes. Annabelle sera de face, moi je me placerai de profil. Vous commencez avec la jambe droite. Un squat et une fente. On y va. Un squat et une fente, toujours de la même jambe. Hein. Je parle bien sûr de la fente sur la même jambe. Puisque le squat, on est parti bien le premier bord sur les deux. Si, Anna, tu as très bien fait. Je ne t'ai pas engueulé, c'est que je regarde juste devant moi. Et bizarrement là, elle est là. Toujours en pleine milieu, celle-là. C'est ça.
Allez, sur un squat, on était bien échauffé avec Annabelle, donc on dit ça mène à pleine amplitude, les cuisses parallèles au sol et sur la pointe, jambes à 90 degrés, tu me gardes ça pendant 20 secondes. Allez! Ça la dérange, j'ai que je sais. Ouais, ouais, j'ai ça là, la bêtise là, carré. Tu fais bien attention, ta jambe devant, toujours en retrait de la pointe de pied. Allez! Allez, deuxième exercice, tu gardes la jambe droite derrière et fente celle. Fente et tu remontes. Ok, option un peu plus difficile, tu peux le prendre avec Anna, ça sera un travail de fente avec une extension arrière. Allez. Sinon, tu restes ici. Avec moi, je te montre le travail de fente classique. Option encore plus simple, tu réduis ton amplitude. Par contre, le buste est droit et le centre du corps gainé. Allez, il vous reste moins de 30 secondes, les amis. Allez, on passe à bien respirer. Et là, on sent que ça chauffe. Arrière de cuisse, ischio. Oh, que c'est bon. Ça chauffe, ça chauffe, ça bosse. Allez, 8 secondes. Allez, tu te places, passe tes plus larges que tes épaules. Troisième exercice ici, les fentes latérales. Oh. Il vient de se passer un tremblement de terre dans la salle. Non, c'est bon, il n'y a pas de tremblement. Il est tombé tout seul, ouais. Et pourtant, je n'ai bu que de l'eau. Que de l'eau. Allez, on déplace bien le poids de corps d'une jambe sur l'autre. Allez, 30 dernières secondes, on va chercher avec le bras opposé ici, sa cheville ou son talon, si tu as la souplesse dans la balle. Non, j'étais au sol, tu vois. Ou le sol, ce qui me paraissait impossible à faire, mais bon, apparemment. Allez, fléchis bien, une jambe fléchie, une jambe tendue. Allez, 4 secondes. Top chrono, tu as une minute de récup, d'accord? Maintenant on va avancer avec Anna sur le travail des fessiers. N'hésite pas à avoir un petit coup. Passage, appuie. Deuxième tour et on fera l'autre jambe. Si tu t'es trompé, dans le fond de ta tête, puisqu'il faudra rectifier et pas travailler deux fois le même muscle. Sinon on va partir avec une jambe comme ça et l'autre toute comme ça. C'est bon Anna? Travaille des fessiers avec moi. Eh bien écoute. Fessier droit. Que celui-là. Et que le moyen fessier, petit fessier. Ça a piqué. Non. Si. Non. En salle, je profite. Hop. Tu peux prendre ta bouteille d'eau ou alors, t'es pas obligé. Okay. Moi, c'est que ça m'a motivé. Ok, moi, je vois l'option de sa bouteille d'eau, ok. Ouais. Tu vas amener une jambe devant. Et derrière, devant et derrière. Allez, on est parti, hop et hop. N'oublie pas ta jambe de terre, celle qui est au sol, à l'équerre. Ne l'envoie pas derrière, ramène-la vers toi. Et hop. Souffle bien. Effleure le sol, ne pose pas ton pied sur le sol. Et regarde, j'ai la pointe de pied vers le sol, j'ai le talon vers le plafond. Et ma jambe est légèrement fléchie, mais pas trop. Allez, tu bloques pas ta respiration. Il nous reste 30 secondes de travail comme ça pour essouffler. Pour essouffler. Pour échauffer. C'est parce que tu souffles. C'est, je suis concentré. Tu connais le virus, coronavirus? Non, je ne connais pas. Ouais, parce que tu non, mais ça, c'est l'année dernière. Ils m'ont soufflé dessus. C'est l'année dernière, c'est fini. Est-ce que ça commence à chauffer? Ça chauffe juste, hein, ça pique pas encore. Hein. Ok, tu enlèves ton obstacle. Et ici, tu ramènes. Fléchis, tends, et tu reviens. Encore. 1, 2, 3, 4. Hop, hop. Vraiment parallèle au sol. Hein. Au fur et à mesure, si tu sens que c'est trop dur, l'option va venir toute seule à toi. C'est qu'au lieu de carrément passer devant, tu vas arrêter, rester légèrement vers l'arrière.
pour que ça te fasse moins mal. Ton corps a tendance à tricher sans que tu t'en aperçoives. Donc c'est à toi à rester vraiment concentré sur ce que tu fais. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu vas chercher la douleur à toi de te dire où est-ce que j'ai le plus mal possible. Oh, j'adore ce proverbe, va chercher douleur. Va chercher bonheur, ouais, moi, va chercher douleur. Ça commence, on y est. Ok, 5 secondes. La position du petit chien, ici, monte, descend. 30 secondes comme ça, et un petit challenge à la fin, que tu pourras suivre ou ne pas suivre. Alors, les challengers, on lâche les. Souffle bien. Ok, le premier, soit tu viens d'entrer avec nous pour les 45 secondes qui restent. Avec nous, ça veut dire que je le fais aussi, non? Oui, si tu veux. Ou alors, tu peux venir maintenant sur les 30 dernières secondes. Allez, souffle bien. Est-ce que tu sens là ton fessier droit qui travaille? Oh yes! N'oublie pas ta jambe de terre à l'équerre. On rentre dans le vif du sujet, ça commence à piquer. C'est là qu'on travaille, c'est là que le résultat apparaît. Avant, non. Souffle bien. Il reste 5 secondes. Ok, fais-moi plaisir, petite photo à moi. Ouais, je rajoute du temps, il va ramener. C'est pas grave. Oh, c'est de la récup là. Allez, c'est bon. Oh, allez, n'hésite pas à avoir un petit coup. On a fait les jambes, on a fait les fessiers. Maintenant, il nous reste les abdos. Il reste 40 secondes de récup, n'hésite pas à regarder le temps, voilà, si tu veux aller voir un petit coup. Et on va faire 3 minutes d'abdos, il y aura 3 exos différents. Profite-en aussi pour décongestionner ton fessier, hein, doucement, là, le récupérer. Étire. Voilà, sinon je te mets dans la position Komana et tu étires. Allez, les abdos, on se placera pour un premier exercice sur le dos avec les jambes relevées. Là. On y va les amis, allez, on se boude, on se fait la tête, voilà. Position sur le dos, jambes tendues, l'exercice est simple ici, on vient toucher ses pieds ou ses chevilles et on vient toucher ses épaules en retouchant les omoplates vers le sol. On y va les amis. Alors le mouvement est petit, hein. Le but c'est vraiment de faire une contraction rapide de nos abdos. Hein. On contracte, on relâche. On contracte, on relâche. Le regard toujours ici, vers le plafond, vers le ciel, et ça dépend où tu nous regardes. Et on essaye bien sûr de garder au maximum ici nos jambes fixes, statiques. Et d'allonger uniquement le centre du corps. Allez les amis, cet exercice, on le fait encore 15 secondes. Allez, 4 secondes. Deuxième exercice, cette fois, pédalo. Avec les jambes. Alors, tu auras le choix. Soit tu me fais uniquement le travail de pédalo, sinon, option, tu me rajoutes le travail de crunch 3D. Alors, on a ici le coude opposé au genou. Avec ta jambe, tu essaies vraiment de te grandir au maximum. Allons jusqu'au bout de la pointe de pied. Allez les amis, on tient encore le pédalo. 20 secondes. Alors on garde une respiration normale. S'intirer sur ses cervicales, on garde ce menton bien dégagé de la poitrine. Allez, pour mériter la récup, il faudra finir le dernier exercice. On se retrouve en gainage. Ici, en position gainage sur les avant-bras. Voilà, sur demi-pointe, les épaules basses et on descend les fesses sur la ligne du dos. L'option sera de poser les genoux au sol. Ok, l'exercice ici, à ton rythme, tu vas venir déplacer tout ton poids de corps sur l'avant,
et lentement retenir tout ton poids de corps sur l'arrière. Tu gardes une respiration normale tout au long de cet exercice et nous allons jusqu'au bout, jusqu'au vide, les 20 dernières secondes. Essaye de bien ressentir le travail dans ton centre du corps. Vanana. Je m'éclate. 3 minutes que je n'ai pas entendu. Quel pied. Et relâchez un petit ramener les fesses. Sur vos talons, position de l'enfant. J'ajoute garçon. Ok. Déroulez le dos. Super. Buvez un petit coup, puisqu'on va repartir sur notre deuxième tour. Allez les sportifs, donc c'est notre deuxième tour. Bien sûr, les exos qu'on a fait d'un seul côté, on va bien sûr les répéter de l'autre côté pour équilibrer le travail. C'est bon? Ton temps de récup est bon, Nana? Oui, c'est bon. Allez, alors on y va, c'est parti. Deuxième tour, allez, on y va, Nana. 3 petites secondes. Cette fois, c'est le pied gauche qui part derrière. Premier exo, souviens-toi, c'est un squat et un fat. Oh, oh, je m'imagine quand elle se trompe. C'est mon petit moment de kiff. Allez, même amplitude sur les deux mouvements, hein. Sur ton squat et sur ta fente, les deux jambes à 90 degrés. Est-ce que tu te souviens un peu des exercices des jambes là? Non. Non? Et je vais te rafraîchir la mémoire. Le deuxième exercice sera la fente avec l'extension de jambes. Je sais pas comment on fait. Tu n'auras qu'à me regarder, voilà. Allez, 15 secondes. Allez, tiens la position, juste le pied droit. C'est vrai que quand je parle et que je fais ça. C'est la résonance, les pecs, elles sont pas bien remplies. Je déroule aujourd'hui. Allez, on reste ici en position de fente. Fente et on allonge. Ou sinon, l'option bien sûr, tu restes en position de fente. Tu queen. Fais bien attention à viser la position de ton genou avant. Toujours en portée de la pointe de pied. Tu vas me dire que tu as une bonne position. Aucune tension dans tes épaules. Garde les épaules relâchées. Attention. Sur le cul. Un peu facile. J'essaye de fixer un point qui ne bouge pas. Mais là, elle est toujours en train de bouger. Alors. Allez, 15 secondes. Allez, attire. On s'accroche les derniers, reste avec nous. 7, 6. Ok, dernier exercice, 2 ou 3 minutes de jambes, fente latérale. Allez, une jambe allongée, une jambe fléchie. On passe ici, on balance. Ici, on va mettre de l'amplitude. On y va, Nana, on rajoute les bras. Allez, on y suit, Nana, c'est parti. La même au sol, s'il te plaît. Alors, moi, en fait, c'est un problème de taille de jambe et de bras. J'ai les bras, dégage, trop court. Ok, 15 secondes. Allez, va chercher Prince, le dernier, Combina. Va chercher Brunner. Allez, jusqu'au bible, les derniers. Je crois que c'est moi, elle a mis toute la haine sur moi. Allez, c'est à toi, là, Nana. Ok, allez, on passe maintenant sur le travail des fessiers avec Nana. Pense bien à changer de jambe. À la main, là, c'est ici, hein, c'est un instrument qu'on appelle partout. Comment ils appellent ça, les stagiaires? Un outil. Alors là, tu vas chauffer ton beauty, on va te faire chauffer le beauty, tu vas voir. Tu vas voir un super beauty. De profil. Tu travailles pas la même jambe, n'oublie
pas, on change de jambe, on est à gauche. Donc c'est ta jambe gauche. Normalement, le savane, hein, déjà qu'elle travaillait avant encore un peu. Avant, je suis en cité, ça n'a pas bossé. C'est bon, je suis dans le bon sens. Ouais, mais t'as pas de fessier, toi. C'est l'hôpital qui se cache. Pardon. 10 secondes. Alors, la jambe de terre, à l'équerre. La jambe de travail, talon vers le plafond, pointe de pied vers le sol. Tu amènes et tu reviens. Tu amènes et tu reviens. Une minute de travail. Allez, bloque pas ta respiration. Souffle tranquillement. Ne pose pas ton pied sur le sol et pleure. Ne pose pas ton pied, tu as compris le poids du corps là. Ah, ah d'accord. Pas le pas, quoi. Moi, c'est une consigne et je fais quoi? Je touche pas. Eh bien, ne touche pas, hein, c'est pas plus mal. Allez, on a fait 30 secondes. Donc, on a commencé à échauffer. Hop. On prépare le maillot. Mais ouais, avec oui. La température qui fait. Eh ouais, mais ça se prépare pas en un mois tout ça. Hein. Deuxième exercice, tu ramènes le genou à la poitrine et tu tends. Devant, hop, 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 hop. Toujours ta jambe de terre qui est au sol, à l'équerre. Pour avoir un meilleur placement au niveau de tes lombaires. A chaque fois, j'essaie de trouver un mot qui rime, hein. C'est super compliqué. Hein. Allez, encore, parallèle au sol. Hein. Garde bien la contraction de tes fessiers. Reste concentré dessus. Va chercher la douleur. N'essaie pas de t'économiser, ça sert à rien. Au contraire, tu perds du temps. Allez. Hop. Encore. Gis, tu sens ta fesse un peu? Ouais, ouais. La salle. Elle est avec moi. Elle est avec nous. C'est bon, alors on continue. Hop. On est dans les 10 dernières secondes. Le troisième et dernier exercice, c'est le petit chien. Ok, c'est parti. Monte, descends. N'oublie pas l'option. Challenger. On travaille le mouvement les 15 premières secondes. Les 45 dernières secondes, on fera la même chose, jambes tendues. On y go. Hop. Ou alors, tu viens quand tu veux. Ou tu repars quand tu veux. Un petit chien, hein. Ouh, on y est. Ça y est. On a fait tout ça pour ça, juste pour cette sensation. 3 minutes entières ou 30 secondes. De plaisir. Non, d'efficacité. Allez. Est-ce que tu le sens, Nana, ton beauty? Oui. Oh yes, oh yeah, beauty. Allez, 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 accroche-toi, accroche-toi, allez. 10 secondes. Tu lâches rien. Encore. 4. 3. La photo, bouge pas, on la fait. Et tu relâches. Wouhou! Waouh! Ça va? Ça se passe bien? Ça se passe bien chez toi? N'hésite pas à mettre un petit pouce sur notre vidéo. Alors là, il faut surtout pas qu'il parte parce que justement, ce deuxième tour, c'est là hein, le travail, comme elle a dit Nana. C'est là l'efficacité. Ok! Dernier tour de nos abdos. Il reste 3 minutes et là tu auras tenu notre super séance cuisse abdos fessiers. Je te rappelle les 3 exercices, les jambes tendues, le crunch classique, ensuite le pédalo et on finit avec notre gainage. Ça va? Tu as récupéré? Tu as massé un peu ta fesse? Ça y est, tu commences à la ressentir. Parfait. Allez, on se passe. Maintenant on est fâché? Ouais. Ok, on est toujours fâché. Donc on se met. Doigt en haut. Hop là! On y va. Les sportifs, on allonge les jambes vers le plafond ou le ciel. Les mains ici qui viennent toucher nos tibias ou nos pieds et on redescend, toucher nos épaules. Hop. J'ai le droit de garder une main derrière la nuque? Oui, si vous avez mal au cervical, vous prenez l'option ici avec un appui pour maintenir vos cervicales. Alors la douleur ne peut pas être aussi mauvaise, hein. Ça peut être aussi ici pour travailler au cervical, pour maintenir la position, c'est ce qui nous fait mal, puisque nous avons des muscles dans le cou.
Allez, on travaille toujours ici, sur la même amplitude, tu dois ressentir ici la contraction et le relâchement de ta sangle abdominale. Allez les amis, il reste déjà plus de 10 secondes. Ok, le deuxième exercice, c'est toi qui vois, soit tu travailleras uniquement un travail de pédalo, c'est-à-dire que tu places les bras le long du corps, ou peut-être même les mains sous les fessiers pour t'aider, ou sinon option plus difficile, tu rajoutes en même temps le crunch croisé. Alors, on allonge bien les jambes, on décolle les épaules, et bien sûr, pour avoir la rotation, une omoplate plus haute que l'autre sur la rotation. Ça va, Nana? T'es pas parti? Non, je suis malade. Je n'entendais pas. Je profite. Vas-y, profite de la vue. Ah, de la vue, non, mais j'ai pas de mal, non. Si tu pouvais te taire. On est fâché. Allez, là-dessus, on vous demandera maintenant le dernier effort. Position. Position ici de planche, tu relâches tes épaules, tu descends tes fesses sur la ligne du dos. Je te rappelle option, tu poses les genoux, on y va à l'exercice, regarde, on suit Nana, on amène ici notre poids de corps vers l'avant et ensuite vers l'arrière, sur les talons et on revient. Alors quand je dis sur les talons, c'est qu'on imagine qu'on pousse tout notre poids de corps vers les talons, hein, d'accord? Donc, bien sûr, sur la position toujours demi-pointe. Quand Nana se tourne, elle a les cheveux dans la tête, on ne sait pas qui c'est. Qui c'est? Allez, on va au bout. Juste vous dites, les amis, nous sommes dans les 8 dernières secondes. Et top, pose les genoux sur le tapis, amène ici tes fesses sur le talon et tire les mains loin devant. Ok, doucement, relâchez, déroulez votre dos. Restez à genoux pour le retour au calme. Allez, on se redresse ici, on décolle les fesses des talons. On a mis de la tension ici dans nos épaules sur notre gainage. Moi, j'espère que la séance cuisse abdo-fessier vous a plu. Vous avez bien travaillé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit retour. Ça fait toujours plaisir. Puis on aime bien vous répondre avec Nana. Allez, on relâche. On change. Allez, on relâche le bras. Et cette fois, on vient placer notre pied droit devant ici, en poussant le bassin loin devant. On va se faire une petite position du sprinter. Position de départ, on pose des mains au sol. On agrippe la pointe d'un pied derrière et on décolle le genou. On tâte la jambe derrière. Place le regard vers le sol, pas tirer sur les cervicales. Ok, repose ton genou au sol, recule, reste de face et viens ici attraper la cheville derrière pour étirer le quadriceps. Si cet étirement tu n'arrives pas à le faire en position à genoux, n'hésite pas à te relever et à le faire debout. Et comme Annabelle et moi-même sommes hyper flex, hyper souple. Et voilà, c'est plutôt un avec qui est super souple et moi super super raide. Oh, on lâche et on change de jambe. Allez, jambe gauche dans un premier temps. Et devant, on pousse le bassin vers l'avant. On ressent les tirs dans l'intérieur. Adducteur, face. On a travaillé les adducteurs sur les fentes latérales. On pose les mains au sol, on agrippe derrière. Étirement en position sprinter. Aroma. Prêt? Non, restez. Hein. T'es mort. Allez, relâchez, posez le genou, revenez comme tout à l'heure. Cette fois,
vos chevilles, n'hésitez pas à vous redresser si vous n'arrivez pas à faire les tirements au sol. Surtout si vous n'avez pas de tapis. Hein, c'est sur du carrelage. Le tapis, ça ne va pas faire du bien dans les genoux. Allez, on relâche l'étirement. On revient sur deux genoux. On bascule sur le talon. On tend les jambes et on déroule le dos. Lentement, nos épaules et nos cervicales. On finit par l'étirement ici de la taille. On lève le bras droit et on dit je jure que j'ai bien travaillé aujourd'hui, j'ai tout donné. Et on incline. Non, pardon, on chauffe. Ah, amène ici. J'ai oublié ma tête. C'est ça, en tout cas, pas trop tirer non plus. Hein. Avec la main opposée, repousse, pomme de main dans le sol. Allez, on relâche. On change de côté, main gauche. Ah, on attrape ici la tête. On repousse, pomme de main dans le sol. Attrape tes deux mains derrière, ouvre la poitrine, rapproche tes omoplates. Une poitrine? Ah oui, une poitrine généreuse. Et enroulez vos épaules devant, en haut et derrière. Bravo la team, merci Nana. C'est nouveau ça. Hein? Et Rakas, hey. C'était notre séance cuisses, abdos, fessiers. J'espère que vous avez bien travaillé chez vous. On se retrouve sur une nouvelle séance. A bientôt les sportifs. A bientôt Dana. Ciao. T'as fait rire ou t'es chaud? Ouais. Tant que Anna est chaude, on y va. Alors on y va, c'est parti. Deuxième tour. Tu couperas ça, Charlotte.